Il nous entend. Ça. Très bien, est-ce que c'est bon pour le son YouTube et Christophe? Super. Eh bien, merci Monsieur le Président, merci au jury d'être venu nombreux aujourd'hui, merci aussi à vous d'être présents. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes travaux de thèse que j'ai effectués ici au laboratoire d'Alembert, encadrés par Thomas Séon et co-encadrés par Axel Huer au laboratoire MSC et par Christophe Josserand au laboratoire LADIX. Et ces travaux de thèse qui ont été financés par la Direction Générale de l'Armement ont porté sur la solidification d'écoulements capillaires sous la forme de ruisselets et de gouttes d'eau. Et nous avons étudié ces deux systèmes à la fois expérimentalement et théoriquement. Alors pour vous donner une idée de ce que c'est un objet capillaire, eh bien c'est un objet dont la taille est typiquement inférieure à quelques longueurs capillaires, donc environ 1 cm pour l'eau. La forme la plus commune, c'est la goutte, qui est souvent posée sur un substrat, et puis en présence de sources froides, ici le substrat qui est inférieur à la température de solidification de l'eau, eh bien l'eau se change progressivement en glace, ici en bleu plus clair. Et donc ce changement d'état couplé aux objets capillaires, eh bien ça induit deux spécificités fondamentales qui sont l'interaction entre le front de solidification et la surface libre OR, et puis des interactions avec la ligne de contact et le front de solidification. Et ces deux questions fondamentales sont d'autant plus importantes qu'elles trouvent de nombreuses applications, à la fois dans des phénomènes naturels, mais aussi industriels. Pour commencer sur les contextes dans la nature, eh bien, on peut bien sûr penser à la formation de structures de glace géophysiques qui se forment par ruissellement et par solidification d'eau au contact de parois. Et ici, je vous ai mis l'exemple de la formation d'un stalactite et l'exemple de la cascade de glace. Et c'est d'autant plus important de comprendre leurs mécanismes de formation, car ils sont intimement liés à la stabilité de ces structures. Nous pouvons aussi citer les stalagmites, qui eux se forment par impact successif de gouttes d'eau sur les sols des grottes froides. Dans un contexte industriel, l'eau, c'est plutôt quelque chose que, enfin, la solidification, c'est plutôt quelque chose qu'on va essayer d'éviter, car notamment en aéronautique, eh bien, la présence d'accrétion de glace sur les éléments capteurs de l'avion, tels que les sondes pitot, peuvent malheureusement entraîner des crashs d'avions assez malheureusement tristement célèbres, comme le Rio Paris en 2009. Et puis sur les petits objets, ici vous avez une pale de drone, eh bien l'accrétion de glace peut provoquer une perte de portance des objets et donc un dysfonctionnement. C'est aussi le cas sur les infrastructures, ici sur ces pales d'éoliennes, et donc la solution aujourd'hui encore bien souvent, c'est d'asperger avec des liquides ou bien de chauffer les parties afin de faire fondre la glace qui va de nouveau se solidifier lorsqu'elle va rencontrer les parties les plus froides de ces structures. Et donc de cette diversité d'applications, on peut en tirer trois questions principales de recherche qui vont guider nos travaux. Quelle est la dynamique de croissance de la glace dans ces configurations? Comment la solidification modifie l'écoulement et l'étalement du liquide? Et enfin, quelle est la forme qui est prise par la glace que l'on va former. Alors la solidification d'objets capillaires, c'est quelque chose qui a été relativement peu étudié dans la littérature, mais on peut notamment citer quelques exemples. La première expérience a consisté à faire solidifier une flaque d'eau au contact d'un substrat froid, et donc c'est Charles Knight dans les années 1970 qui a été le premier à réaliser cette expérience, et il s'est notamment rendu compte que l'eau se rétracte sur la glace lorsqu'elle se solidifie, et ça c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant et qui est propre au couple aux glaces. Il a fallu attendre les années 2010 pour avoir la première étude quantitative de solidification d'une goutte d'eau au contact du substrat froid, donc vous voyez le front de solidification se propager, et puis vous allez voir qu'il y a une singularité sous forme de pointe lorsque le front atteint le sommet de la goutte. Et les auteurs ont notamment montré que cet angle, dans le cas de l'eau pure, était universel et qu'il trouvait son origine physique dans le fait que la glace était moins dense que l'eau.
Finalement, lorsque l'on couple solidification et écoulement capillaire, eh bien, on va complexifier ces systèmes. C'est notamment le cas de la thèse de Virgile Thievenin, qu'il a soutenue en 2019 au laboratoire, où il s'est intéressé à l'impact d'une goutte d'eau sur un substrat froid. Donc, c'est une vidéo qui est prise à la caméra rapide, donc typiquement plusieurs dizaines de milliers d'images secondes. Et vous allez voir que quand je joue la vidéo, la goutte s'impacte, se solidifie en même temps qu'elle s'étale. Et puis Virgile a également vu la rétraction de l'eau sur la glace. Et enfin, la goutte gèle entièrement. Et il a étudié notamment eh bien, la forme de ces gouttes gelées qui sont intimement reliées à l'ensemble de ces phénomènes. Enfin, sur un autre liquide, nous pouvons également citer des travaux sur les alcanes qui se solidifient lorsqu'ils rencontrent une surface. Et nous allons en redire quelques mots un peu plus loin dans la présentation. Donc sur l'ensemble de ces exemples, eh bien, finalement, nous avons des objets capillaires qui ont un volume qui est fixé. Et moi, dans ma thèse, nous nous sommes intéressés eh bien, à un objet capillaire qui était en flux continu. Donc c'est le fameux ruisselé. Alors pour ceux qui ne sont pas forcément, comme moi je l'étais au début de ma thèse, familiers avec cet objet, en fait c'est un objet qu'on rencontre très souvent dans la vie quotidienne, sur les pare-brises de voitures lorsqu'il pleut ou sous la douche le matin. Et puis, dans le laboratoire, on peut donc reproduire un ruisselet d'eau avec un débit que l'on peut contrôler. Et on peut montrer notamment qu'en fonction du débit, eh bien, il y a deux régimes d'écoulement du ruisselet. Un régime quasi rectiligne du ruisselet plutôt à faible débit. Et lorsque le débit augmente, le ruisselet se met à méandrer et sa trajectoire oscille. Et donc, dans ma thèse, nous nous sommes cantonnés à l'étude du ruisselet droit, car c'était plus commode. Et enfin, vous voyez ici sur ces photos eh bien, que l'eau apparaît en vert fluorescent. Et ça, c'est parce qu'en fait, dans l'eau, on a dilué une molécule qui s'appelle de la fluorescéine, qui est sensible à la lumière UV. Et lorsque l'on va venir solidifier le ruisselet d'eau, eh bien, la fluorescéine va fluorescer dans l'eau liquide, mais pas dans la glace. Et ça va nous permettre de bien discerner l'eau de la glace sur les vidéos. Donc ça, je ne l'ai pas précisé, mais c'est des photos d'expérience lorsque le substrat n'est pas encore froid. Et maintenant, on va comparer les différentes vues de l'expérience, à la fois dans un substrat à température ambiante, donc 20 degrés, et à température de substrat froide. Bon, ici, je vous ai mis du coup deux vues de dessus de l'expérience. Une à température à 20 degrés de substrat, je répète, et une à moins 30 degrés. Et donc on filme à la caméra rapide à 2000 images par seconde le ruisselé. Et ce qu'on observe à température ambiante, eh bien, c'est un front principal du ruisselé qui passe et qui laisse un film qui derrière se rétracte vers une largeur constante que l'on peut mesurer qui vaut environ 2 mm. Et lorsqu'on fait l'expérience sur le cas du substrat froid, eh bien on voit ce front également passer, mais eh bien il n'y a pas de rétraction de la ligne de contact, ce qui montre que la ligne de contact est piégée par le passage de la goutte et par la solidification au contact du substrat. Et en particulier, si on mesure la largeur cette fois-ci de glace qu'il y a dans le ruisselet, eh bien on trouve qu'elle est plus grande que dans le cas à température ambiante. Puis, quelques secondes après, on assiste à la rétraction de l'eau sur la glace que vous voyez plutôt ici en jaune clair et la glace en opaque. Ce phénomène dure quelques secondes et finalement la largeur d'eau est fixée et donc l'hydrodynamique de notre ruisselet est fixée après quelques secondes. Si je regarde maintenant ce qui se passe de face, donc cette fois-ci le ruisselet va nous arriver dessus, entre guillemets, donc toujours à 20 degrés dans le cas du substrat à température ambiante et à moins 30 degrés ici, eh bien le ruisselet arrive et exhibe un angle de contact de 90 degrés avec le substrat. Et dans le cas à température froide, eh bien le ruisselet avance avec une dynamique de collé-glissé et son angle de contact est drastiquement changé, ce qui est un autre signe du changement dans l'étalement et la solidification. Finalement, si l'on regarde une vidéo en vue de côté, encore une fois, les deux comparaisons, eh bien, nous voyons encore une fois ce front du ruisselet passer, et puis la largeur d'eau liquide
se rétracter. Et ce sur quoi j'aimerais vraiment insister, c'est que à température de substrat ambiante, tout se passe en moins d'une seconde. Et après, nous avons la forme du ruisselet liquide qui ne change plus, mais l'eau qui s'écoule toujours au sein du ruisselet. Si l'on veut comparer avec ce qui se passe dans la situation de température de substrat froide, on dézoome notre axe de prise de vue et on va voir qu'on va accélérer la vidéo parce que là, on va voir qu'il y a une propagation d'un front de solidification que l'on va pouvoir observer. Donc quand je joue la vidéo, eh bien l'eau ici en vert fluo s'écoule et la glace progresse et donc on assiste à cette croissance de glace du ruisselet et puis finalement l'eau en vert fluo s'écoule sur la glace sans se solidifier davantage et donc notre système atteint un surprenant état stationnaire et il est d'autant plus surprenant et bien que sa géométrie est relativement linéaire depuis l'injection de l'eau. Donc avec l'ensemble de nos caractérisations de notre système, eh bien nous avons découpé cette étude en plusieurs thématiques. Tout d'abord, nous avons étudié eh bien, l'hydrodynamique du ruisselet à température ambiante et notamment l'instationarité du passage du front du ruisselet. Puis nous nous sommes intéressés à la comparaison dans le cas de température du substrat froide et notamment à la caractérisation de cette largeur de glace et de la largeur de l'eau sur la glace. Finalement, après cela, nous avons étudié la croissance dans l'axe du plan de la glace et la géométrie du ruisselet gelé à l'état stationnaire. Et une dernière expérience qu'on a faite, c'est pour comprendre eh bien, qu'est-ce qui fixait la largeur de glace et finalement le piégeage de la ligne de contact du ruisselet. Eh bien, nous avons fait une expérience qui était dédiée d'arrêt d'une ligne de contact par solidification où nous apportons une goutte d'eau au contact d'un substrat froid et nous regardons jusqu'où celle-ci s'étale. Donc aujourd'hui, je vais être limité dans le temps et je vais me cantonner à ces trois thématiques, donc la croissance de glace du ruisselet, la géométrie à l'état stationnaire et l'arrêt d'une ligne de contact par solidification. Et c'est par cela que je vais commencer. Alors c'est une expérience qu'on a réalisée en collaboration avec Rodolphe Grivet qui est en doctorat également sur des thématiques proches et l'expérience est largement inspirée d'études sur l'écoute d'Alcan qui ont également regardé l'arrêt d'une ligne de contact par solidification. Et nous on a choisi l'eau eh bien, parce que notre ruisselet était de l'eau et en plus ça va nous permettre d'avoir une plus grande plage de température de substrat. Et donc je vous ai mis ici un schéma de l'expérience. Donc on dépose une goutte d'eau à l'envers d'une plaque de verre transparente. On vient l'apporter au contact d'un saphir froid. Alors le saphir c'est pas uniquement pour des questions cosmétiques, c'est aussi parce que c'est un substrat qui est conducteur et qui est transparent, ce qui va nous permettre de voir ce qui se passe au contact entre l'eau et le saphir. Et on place l'expérience dans une enceinte sèche à humidité réduite pour réduire la présence de givre eh bien, sur la surface du saphir, ce qui pourrait changer des choses dans les propriétés du mouillage. Nous plaçons de part et d'autre de l'expérience deux filtres pour polariser la lumière et pour voir la présence d'éventuels cristaux. Et nous instrumentons l'expérience avec deux caméras rapides qui sont synchronisées, une sur le côté de l'expérience et une sur le dessus qui va être focalisée sur l'interface entre la goutte et le saphir. Puis nous apportons doucement la goutte au contact du saphir froid et nous nous posons la question, ma foi, assez simple, jusqu'où eh bien, cette goutte s'étale. Alors avec Rodolphe, nous avons fait une étude sur l'influence de la température du substrat. Donc je vous ai mis cette fois-ci les vues de côté à la caméra rapide avec trois températures différentes. Et lorsque j'approche la goutte à moins 3 degrés, eh bien celle-ci s'étale à peu près comme à température ambiante et l'arrêt de la ligne de contact est déterminé par l'affinité entre la goutte et le substrat. Si je fais maintenant l'expérience à moins 10 degrés, eh bien on voit que la goutte s'étale moins loin et donc que la ligne de contact est piégée par la solidification. Et à moins 15 degrés, eh bien nous avons la même chose et la goutte s'étale encore moins loin. De ces trois films, nous pouvons alors définir RA qui est le rayon d'arrêt de la goutte
et nous nous posons les questions suivantes. Est-ce que la dynamique d'étalement de la goutte, elle est influencée par la solidification? Comment est-ce que varie ce rayon d'arrêt en fonction de la température du substrat? Et finalement, quel est le critère d'arrêt de la ligne de contact qui fixe le rayon? Pour répondre à la première question, on peut regarder une séquence temporelle d'un des films. Donc la goutte, avant de toucher le substrat, elle est définie par le rayon de courbure R0. Et puis par analyse d'image, eh bien, on peut suivre l'étalement au cours du temps. Et en particulier, on peut se poser la question, est-ce que notre configuration avec un substrat froid, elle est la même qu'un substrat à température ambiante? Et donc dans le cas d'un substrat à température ambiante, eh bien, on connaît bien la dynamique de l'étalement, car c'est des travaux qui ont été réalisés par bien ses collaborateurs. Et au temps court, eh bien, l'étalement est régi par une compétition entre l'inertie et la capillarité. Et on retrouve que le rayon d'étalement de la goutte, adimensionné par ce rayon de courbure, varie en loi de puissance du temps adimensionné par une échelle de temps inertio-capillaire. Et en particulier, la loi de puissance, c'est une puissance 1/2, ce qui signifie que la ligne de contact, elle décélère au cours de l'étalement. Donc pour voir si on retrouve cette loi, eh bien on trace dans un graphique aux axes logarithmiques le rayon d'étalement adimensionné en fonction du temps adimensionné, et on se rend compte qu'on retrouve globalement assez bien la loi théorique. De plus, si on superpose nos deux autres expériences à température de substrat différentes, eh bien on voit qu'au premier instant, les dynamiques d'étalement sont confondues, ce qui fait que l'étalement n'est pas affecté par la solidification. Et par contre, eh bien on confirme que le rayon d'arrêt diminue avec la température du substrat. On peut alors faire une grande série d'expériences où on varie cette température de substrat et on reporte le rayon d'arrêt adimensionné en fonction de la température, ce qui confirme les trois séquences de films que le rayon diminue avec la température du substrat. Et de la loi d'étalement, de la dérivée de la loi d'étalement et du rayon d'arrêt, on peut en déduire la vitesse de la ligne de contact au moment de l'arrêt, et celle-ci augmente avec la température de substrat. Donc jusqu'à présent, on a confirmé les études qui avaient été réalisées sur les gouttes d'alcane. Et maintenant, avec les vues de dessus en caméra rapide, on va apporter un critère d'arrêt de la ligne de contact. Donc je vous ai mis ici une séquence temporelle des vues de dessus en caméra rapide. On voit qu'au premier instant, l'étalement de la goutte est circulaire et n'est pas affecté par la solidification. Et la lumière polarisée, eh bien, elle nous permet de voir l'apparition ici de petites structures cristallines qu'il est tout à fait remarquable d'observer à ces vitesses d'acquisition. Si on regarde par exemple l'influence de la température de substrat sur l'air final de la goutte gelée, eh bien, on confirme nos visuels avec la caméra de côté, où l'air de la goutte finale diminue avec la température du substrat. Et pour mieux se rendre compte de l'interaction entre ces structures et la goutte qui s'étale, je vais vous jouer une vidéo de la séquence temporelle précédente. Donc sur la vidéo, on voit la goutte qui s'étale au premier instant et ces structures qui croissent en son sein et qui semblent interagir avec la ligne de contact au moment de l'arrêt. De cette vidéo, on peut en particulier déterminer la position de ces structures en fonction du temps et nous montrons que leur vitesse est constante. Donc pour résumer, nous avons la vitesse de la ligne de contact qui diminue en fonction du temps, la vitesse des structures cristallines qui est constante en fonction du temps, et on peut se demander si le croisement des deux courbes détermine l'arrêt de la ligne de contact. Et donc pour confirmer ce scénario, on trace la vitesse de la ligne de contact au moment de l'arrêt déterminée par les vues de côté en fonction de la vitesse des structures cristallines que nous avons mesurées. Et on voit que l'ensemble des points se regroupent assez bien autour de la bisectrice Y égale X. Et en particulier, ici en nuance de couleur, j'ai indiqué la température du substrat. Et donc, pour un substrat froid, les structures cristallines croissent plus vite et donc rattrapent plus tôt la ligne de contact. Et donc, ça mène à un rayon d'arrêt qui est plus petit.
En conclusion, sur cette étude sur l'arrêt d'une ligne de contact par solidification, donc nous avons, grâce aux vues à la lumière polarisée, proposé un critère cinétique d'arrêt de la ligne de contact. Et j'ai pas forcément le temps d'en parler aujourd'hui. Nous avons également adapté un modèle pour proposer quelle est la vitesse de ces structures cristallines. Et nous avons notamment montré que leur vitesse était fortement impactée par la proximité avec un substrat conducteur de chaleur. Et enfin, nous sommes en train d'appliquer ce critère cinétique d'arrêt de la ligne de contact au cas du ruisselet, en comparant les vitesses d'avancée du front du ruisselet avec les vitesses caractéristiques des structures cristallines. Donc maintenant que j'ai parlé de cette thématique d'arrêt de ligne de contact par solidification, nous allons revenir au cœur de la thèse avec ces deux thématiques sur le ruisselet d'eau. Donc nous avons monté un dispositif expérimental original pour la solidification du ruisselet. Le principe de cette expérience, nous injectons de l'eau à un débit constant le long d'un plan incliné que nous refroidissons grâce à un bain recirculant. Nous faisons recirculer de l'huile thermale froide dans le bain pour refroidir la pièce de métal. Le plan incliné est d'une dizaine de centimètres et au contact du substrat froid, l'eau en bleu foncé change en glace en bleu ciel. Nous instrumentons l'expérience avec à la fois un appareil photo, une caméra rapide et aussi une caméra thermique qui va nous permettre d'avoir accès au champ de température dans l'eau et dans la glace. Puis nous plaçons l'ensemble de cette expérience dans une enceinte sèche pour les mêmes raisons que l'expérience précédente, donc pour limiter la présence de givre sur le substrat. Et finalement, comme je vous l'ai déjà dit, nous avons dilué de la fluorescéine dans l'eau et nous éclairons avec une lampe UV pour distinguer l'eau de la glace lors de la solidification. Et pour vous donner une idée des échelles de l'expérience pour ceux qui ne sont pas passés en salle expérimentale ce matin, ici vous avez le plan incliné d'une dizaine de centimètres, donc c'est une vue rapprochée de l'expérience. Et ici, c'est un plan large où vous voyez l'enceinte sèche. Dans ma présentation aujourd'hui, je vais discuter de l'influence des paramètres thermiques que sont la température du substrat qu'on a fait varier entre moins 5 et moins 40 degrés et de la température d'injection de l'eau que l'on a fait varier entre 2 et 40 degrés. Et nous allons considérer l'hydrodynamique du ruisselet constante avec un débit à 20 ml par minute et un angle d'inclinaison du substrat à 30 degrés. Donc pour commencer sur la dynamique de croissance de la glace, je vous ai remis la vidéo de tout à l'heure et d'après cette vidéo, nous pouvons suivre les profils successifs du ruisselet gelé en fonction du temps que je vous ai mis en couleur. Et en particulier, on peut voir qu'il y a trois régimes de croissance. Un premier régime où le ruisselet croît relativement parallèle au plan. Un deuxième régime où il y a une brisure de symétrie entre l'injection et l'aval du plan. Et un dernier régime où l'eau s'écoule sans se solidifier, et donc les profils des ruisselets gelés sont relativement bien agglomérés, ce qui est la signature d'un état stationnaire. Donc nous pouvons nous demander comment retrouver ces trois régimes de croissance de glace. Alors pour bien comprendre et retrouver cette dynamique de croissance, il faut se ramener à la spécificité de notre système. C'est qu'on a un couplage assez subtil entre la propagation d'un front de solidification et l'écoulement d'un objet capillaire. Et ça complique la résolution des équations de la chaleur. Et donc, on s'est comparé à un cas un petit peu plus simple en considérant, dans un premier temps, ce qui avait été fait sans présence d'écoulement, donc lorsque l'eau est statique. Donc lorsque l'eau est statique, les premiers auteurs qui se sont intéressés à cette étude, ils ont considéré uniquement deux milieux, donc la glace et l'eau. Et Joseph Stéphan, à la fin du 19e siècle, écrit l'équilibre des flux de chaleur à l'interface qui va piloter la dynamique de croissance. Et d'un point de vue physique, ce qu'elle nous dit, cette condition d'équilibre, c'est que la vitesse du front de solidification,
elle était égale à la différence des flux de chaleur dans la glace et dans l'eau. Et donc pour retrouver la dynamique de propagation du front de solidification, il faut coupler cette condition de Stefan avec une équation de diffusion de la chaleur dans la glace. Et pour se simplifier les résolutions du problème, nous pouvons considérer eh bien, que la température de l'eau elle est relativement proche de 0 degré. Et ça simplifie notamment la condition de Stefan, car nous considérons le terme de flux de chaleur dans l'eau comme étant nul. Et donc ça, c'est une équation qui est résolvable analytiquement, et on retrouve une croissance de glace qui est diffusive. Dans notre cas, nous avons vu que la solidification se faisait au contact d'un substrat conducteur, et c'est exactement également ce que Virgile a fait dans sa thèse. Et donc, il a rajouté à ce système eh bien, la participation du substrat, et donc nous rajoutons une équation de diffusion de la chaleur dans le substrat froid. Et alors, ça ne change pas la dynamique de croissance de glace qui est toujours diffusive, mais ça précise le coefficient de diffusion effectif qui dépend des propriétés du substrat. Et donc maintenant qu'on a eh bien, donné ce qui se passait dans le cas de l'eau sans écoulement, on peut se demander en quoi notre configuration avec l'écoulement de l'eau va changer la croissance de la glace. Et en particulier, eh bien, on a l'intuition que notamment cette hypothèse que l'eau soit à 0 degré eh bien, va changer et va venir complexifier notre problème. Donc pour quantifier la croissance de glace, on peut tracer l'épaisseur de glace au cours du temps pour différentes abscisses le long du substrat. Et on confirme nos observations quantitatives, à savoir eh bien, que nous avons une croissance de glace relativement homogène, car l'ensemble des marqueurs ici sont rapprochés ensemble. Et puis, à partir d'un moment, eh bien, la croissance de glace commence à se différencier le long du substrat. Et l'épaisseur de glace converge vers une épaisseur maximale qui dépend cette fois-ci de l'abscisse du plan. Et si on regarde la croissance de glace au temps court et qu'on trace l'épaisseur de glace en fonction du temps, mais cette fois-ci dans un graphique aux axes logarithmiques, eh bien on voit que nous avons un régime de croissance qui est diffusif aux premiers instants. Et donc on peut se demander est-ce que ce régime de croissance existe quels que soient les paramètres thermiques de l'expérience. Pour confirmer ça, on trace jusqu'au temps de départage des courbes l'épaisseur carrée de glace en fonction du temps et pour toutes nos abscisses. Et on voit qu'on a un ensemble de droites dont le coefficient directeur dépend de la température du substrat. Donc vous avez ici la température du substrat en couleur. Et donc plus la température du substrat est froide, plus la glace croît vite. Et donc, on peut se demander, donc on confirme que la croissance diffusive, ce régime existe quels que soient les paramètres thermiques, et on peut se demander est-ce que la croissance de glace est bien pilotée par ce coefficient DF. Et donc, pour répondre à cette question, nous renormalisons l'ensemble de nos épaisseurs de glace par ce coefficient de diffusion effectif et par le produit du temps de diffusion en fonction du temps à dimensionner. Et on voit que l'ensemble des courbes se regroupe de manière assez raisonnable sur la droite y égale x et sans paramètre ajustable. Donc eh bien, au premier instant de l'expérience, tout se passe comme si l'eau en écoulement n'avait aucun impact et on retrouve un régime diffusif de croissance de la glace. Et donc ça, on le comprend comment ? Eh bien, dans notre condition de Stefan, le flux de chaleur dans la glace est très grand devant le flux de chaleur dans l'eau, mais c'est parce qu'on a fabriqué une faible épaisseur de glace, et donc le flux de chaleur est très supérieur au flux de chaleur dans l'eau. Et puis, passé eh bien, ce temps TD, eh bien, nous avons un départage de l'ensemble des courbes, et on comprend bien qu'on continue à fabriquer de la glace, et donc que le flux de chaleur dans la glace, eh bien, il n'est plus très grand devant le flux de chaleur dans l'eau. Et c'est en particulier la résolution et la caractérisation et la compréhension de ce flux de chaleur qui va occuper la fin de notre présentation. Et lorsque l'on l'aura résolu, on peut montrer que l'épaisseur de glace eh bien, converge et relaxe vers une asymptote. Et en particulier, ce qui va nous intéresser maintenant, eh bien, c'est l'épaisseur maximale de glace
à l'état stationnaire. Et pour la caractériser, il va falloir affiner la prise en compte du flux de chaleur dans l'eau. Donc pour conclure sur la croissance de la glace en trois régimes, nous avons vu qu'on avait un premier régime qui était diffusif, où la croissance de glace ne dépendait pas de la position du plan. Puis nous avons coexistence des trois termes dans la condition de Stefan, et cette fois-ci les courbes commencent à se départager le long du plan. Et finalement, à l'état stationnaire, l'eau s'écoule sur la glace sans se solidifier davantage, et cette fois-ci c'est le terme de flux de chaleur qui est lié à la croissance de la glace, et bien qui est simplement nul. Et nous avons à l'état stationnaire égalité entre le flux de chaleur dans la glace et le flux de chaleur dans l'eau. Et dans le temps qu'il me reste, nous allons montrer comment on peut retrouver la géométrie de la glace à l'état stationnaire. On peut prendre une photo de la vidéo précédente et on voit que passé une certaine longueur d'entrée X0, on arrive relativement bien à approcher notre épaisseur de glace par une géométrie linéaire. Et on peut en particulier noter HI0, l'épaisseur de la glace en entrée de cette partie linéaire, et bêta, la pente de la glace. Et donc maintenant, les questions qui nous intéressent, c'est qu'est-ce qui détermine la géométrie de la glace à l'état stationnaire? Et bien sûr, est-ce qu'on peut avoir une prédiction quantitative sur la variation des deux paramètres géométriques de la glace? Alors, ici, j'ai réécrit la condition de Stefan à l'état stationnaire sous la forme de ratio du flux de chaleur dans l'eau et du flux de chaleur dans la glace. Et en particulier, ce ratio des gradients, il est égal au ratio des conductivités de la glace et de l'eau. Et les conductivités de la glace et l'eau, ce sont des constantes qui n'ont aucune raison de varier selon la position du substrat. Donc, ce ratio des conductivités, il est constant. Et pour vérifier cette prédiction théorique, cette fois-ci, nous regardons une portion de 3 cm du ruisselé à la caméra thermique. Donc à la caméra thermique, les nuances de couleur sont directement reliées à la valeur de la température que l'on lit. Et donc je vous ai tracé ici en tiret la ligne à 0 degré qui marque le départage entre l'eau et la glace. Et puis on peut regarder ce qui se passe proche de l'interface, car la condition de Stefan, il y a égalité des flux de chaleur, mais proche de l'interface. Et donc on trace la position en fonction de la température, et on est capable de mesurer le gradient de température dans la glace et le gradient de température dans l'eau. Et si on fait ce travail à chaque abscisse, et qu'on trace le ratio du gradient de température dans l'eau divisé par le gradient de température dans la glace, on retrouve que leur ratio est globalement constant quelle que soit la position du plan, ce qui confirme la prédiction théorique. Donc nous avons vu que la mesure à la caméra thermique permettait de confirmer cette prédiction théorique. Et donc maintenant, on peut s'intéresser à retrouver quelle est la dépendance de l'épaisseur de glace. Et donc pour faire ça, ce qu'on fait, c'est juste qu'on estime en loi d'échelle les gradients les gradients de température dans l'eau, qui est la température de l'eau en surface moins la température de solidification divisée par l'épaisseur du milieu. Et dans la glace, c'est la température de solidification à l'interface aux glaces moins la température du substrat divisée par ce qu'on cherche, l'épaisseur de glace. Et on sait que ça, c'est constant, c'est exactement ce qu'on vient de montrer. Ce qu'on a également observé, c'est que cette épaisseur de glace, elle variait selon la position le long du substrat. Et donc, il faut que ici, puisque ce ratio est constant, il y ait une autre quantité qui varie le long de la position du substrat. En particulier, on a vérifié pour l'ensemble de notre expérience, que l'épaisseur d'eau du ruisselet à l'état stationnaire ne dépendait pas de la position du substrat. Et donc le seul candidat qui reste pour compenser l'épaisseur de glace, c'est la température de la surface libre, qui elle va dépendre de la position le long du substrat. Et donc si on réécrit cette expression en isolant l'épaisseur de glace, on peut avoir une prédiction
de l'épaisseur de glace qui dépend de cette température. Et donc maintenant, c'est ce qu'on va chercher à modéliser. Et nous allons en particulier voir eh bien, que cela va nous permettre de remonter à la géométrie de la glace à l'état stationnaire. Alors, comment modéliser le champ de température dans l'eau? Eh bien, on prend ce petit schéma. Donc, l'eau en bleu foncé s'écoule sur la glace en bleu clair. Il y a la condition de Stefan à l'état stationnaire d'égalité des flux de chaleur. Dans la glace, il y a une équation de diffusion de la chaleur, mais comme nous sommes à l'état stationnaire, elle se simplifie avec un Laplacien nul, ce qui entraîne un champ de température linéaire dans la glace. Et dans l'eau, c'est un petit peu plus compliqué parce que la chaleur qui est diffusée, elle est cette fois-ci advectée par l'écoulement de l'eau qu'on modélise ici par un demi-Poiseuille. Et donc, on va devoir résoudre ce problème thermique dans l'eau. Et pour ce faire, on va ajouter deux conditions limites à ce problème thermique. La première, c'est l'égalité des flux de chaleur à l'interface au air, mais cette fois-ci, comme la conductivité de l'eau, elle est très grande devant la conductivité de l'air, tout le monde sait que l'air, c'est un isolant, eh bien, ça va nous permettre de simplifier cette équation, et on considère le gradient de température de surface comme négligeable. Et enfin, on rajoute la température d'entrée de l'eau comme condition limite initiale. Donc on est capable de résoudre ce problème thermique, mais je vais vous épargner aujourd'hui la résolution. Et se rend notamment compte eh bien, que c'est relativement proche d'un problème de Gretz qui a été résolu en 1885. Et notre originalité de notre configuration se situe eh bien, dans le fait que nous avons confinement de la couche limite thermique par la surface libre du ruisselet. Et on peut montrer eh bien, que le champ de température dans l'eau, on peut le résoudre par séparation de variables avec une contribution selon l'épaisseur du ruisselet et cette fameuse température de surface qui va nous donner accès à l'épaisseur de glace. Donc pour vérifier notre résolution et nos prédictions de la température d'eau, eh bien, on peut reprendre notre expérience du ruisselet à la caméra thermique et puis regarder pour trois abscisses différentes le champ de température. C'est ce que je trace ici. Je vous ai également mis en tiret la séparation entre la glace et l'eau à 0 degré. Et on voit bien, eh bien que dans la glace, la relation est relativement linéaire comme ce que nous avons proposé. Et si je superpose le profil de température dans l'eau où on ajuste la vitesse de l'écoulement, eh bien, on se rend compte que notre prédiction théorique rend très bien compte de nos expériences. Si on s'intéresse maintenant à la température de surface que nous voulons caractériser, eh bien, lorsqu'on résout les équations, on peut les simplifier et démontrer que la température de surface, elle varie de manière affine avec la position. Et nous notons dans cette équation un paramètre hydrodynamique K que nous ne faisons pas varier aujourd'hui car nous ne changeons pas l'hydrodynamique du ruisselet. Et on peut faire trois observations quantitatives. La température de surface libre, eh bien, elle diminue en fonction de la température d'injection de l'eau. Elle diminue en fonction de l'abscisse le long du substrat. Et puis elle ne dépend pas de la température du substrat. Et donc c'est ces trois résultats quantitatifs que nous allons tester avec la caméra thermique encore une fois. Cette fois-ci, nous regardons le système à l'état stationnaire depuis le dessus. Donc là, vous avez environ 10 cm. Vous avez le ruisselet. Toujours les nuances de couleur correspondent à la valeur de la température. Et puis, on peut suivre le long d'une ligne centrale ici en blanc la température de surface en fonction de la position. Et on retrouve eh bien, très bien notre première prédiction quantitative, à savoir que la température de surface diminue de manière affine avec la position. Et en particulier, on peut noter le gradient de perte thermique en surface comme la pente de cette,
de ce champ de température. Si on fait varier à la fois la température du substrat et la température d'injection et que l'on représente le gradient de température de surface en fonction de la température d'injection, eh bien là encore, ça valide notre prédiction car on a une décroissance linéaire de la quantité en fonction de la température d'injection. Et puis finalement, il n'y a pas d'influence de la température du substrat car on voit qu'il n'y a pas forcément d'ordre préférentiel selon les couleurs qui correspondent à la température du substrat. Et bien, à la fois avec notre caractérisation à la caméra thermique en vue de côté à l'état stationnaire et en vue de dessus des champs de température, on voit que notre modèle thermique, malgré l'ensemble de ces hypothèses, capture très bien notre système. Et donc maintenant, nous pouvons nous demander si nous pouvons remonter à la géométrie de la glace à l'état stationnaire, ce qui était notre but premier. Donc si je reprends la géométrie de la glace à l'état stationnaire, nous avions cette prédiction. Maintenant, nous avons la prédiction de la température de surface libre et nous l'avons validée expérimentalement. Donc nous pouvons la remplacer dans l'épaisseur de glace à l'état stationnaire. Et en faisant un développement limité, nous pouvons comparer la prédiction avec notre observation expérimentale. Et donc nous retrouvons que notre prédiction affine, eh bien, elle est relativement correcte et on peut identifier la pente de la glace et l'épaisseur de la glace HI0 et on voit que ces deux quantités, eh bien, elles varient de manière linéaire avec un paramètre T-bar. Et T-bar, qu'est-ce que c'est? C'est juste le ratio de nos deux températures de contrôle. Et donc pour terminer cette présentation, eh bien, on peut se demander si cette prédiction de la variation de nos quantités géométriques avec le paramètre T-bar, on les retrouve bien dans l'ensemble de nos expériences. On contraste l'épaisseur de glace en fonction de T-bar et la pente de la glace en fonction de T-bar. Et dans les deux cas, on trouve une bonne linéarité entre les quantités géométriques et notre quantité T-bar. Et en particulier, lorsqu'on regarde les préfacteurs entre la prédiction et l'expérimental, nous sommes encore dans un bon accord. En conclusion générale sur le ruisselet, nous avons vu que nous avons une croissance singulière en trois régimes qui est régie par l'équilibre des flux de chaleur à l'interface eau glace dans la condition de Stéphan, avec un premier régime au temps court qui est diffusif, puis un régime qui mêle les trois termes, et finalement on a la convergence vers un état stationnaire où on ne fabrique plus de glace. Cet état stationnaire, nous l'avons caractérisé et nous avons notamment proposé un modèle thermique qui nous a permis de bien capturer l'ensemble de la physique, notamment avec nos expériences en caméra thermique, mais aussi la géométrie de la glace avec nos profils en appareil photo. Juste un tout petit mot sur les deux thématiques que je n'ai pas présentées aujourd'hui pour ouvrir la discussion peut-être tout à l'heure. Sur le ruisselet à température ambiante de substrat, eh bien, nous avons caractérisé le passage de ce front et la rétraction du film liquide vers la largeur d'équilibre. Et puis nous avons fait varier pour à la fois l'inclinaison du substrat et le débit. Nous avons mesuré à chaque fois cette largeur d'équilibre et en particulier nous avons comparé ces résultats avec des modèles théoriques de la littérature. Et nous avons montré que le modèle de Duffy-Hemophat qui relie cette largeur à la fois au débit d'injection, à l'angle d'inclinaison et à l'affinité entre l'eau et le substrat décrit raisonnablement bien nos expériences. Sur la rétraction de l'eau sur la glace, nous avons donc mesuré la largeur de glace du ruisselet ainsi que la largeur d'eau. Nous avons notamment montré que la largeur de glace était toujours ici supérieure à la largeur de l'eau à 0 degré. Et nous sommes en train d'appliquer le critère cinétique d'arrêt d'une ligne de contact que nous avons montré avec Rodolphe Grivet au cas du ruisselet. Et on voit que si celui-ci pourrait marcher dans cette zone où la largeur de glace diminue avec la température du substrat, ici, le modèle semble encore limité. Et enfin, nous nous sommes intéressé à la largeur de glace de l'eau une fois rétractée que nous avons mesuré à la fois en fonction
de la température du substrat et du débit. Et grâce au modèle de Duffy-Hémophate que nous avions validé, nous sommes capables d'en déduire un angle de contact de l'eau sur la glace. Et nous voyons que l'ensemble des expériences s'agrègent relativement bien, ce qui montre que l'affinité entre l'eau et la glace pilote la forme de l'eau à l'état stationnaire quand l'eau est rétractée. Finalement, en perspective de ma thèse, une perspective qui en découle directement, eh bien, c'est cette fameuse valeur de l'angle de contact de l'eau sur la glace. Et donc, c'est une des thématiques notamment de la thèse de Rodolphe, où il va un peu reprendre l'expérience qu'on a réalisée, où il va cette fois-ci faire s'étaler une goutte d'eau sur directement de la glace et de la dynamique d'étalement en conclure et en déterminer un angle de contact. Enfin, nous pouvons aussi penser à la solidification d'autres formes d'écoulement capillaire. Je vous ai dit que le ruisselet pouvait parfois méandrer, donc on peut se demander quelle est la forme prise par la solidification d'un ruisselet méandrant. Au laboratoire, il y a également la thèse de Simon Briand qui, lui, s'intéresse à la solidification de films d'eau de quelques centimètres de largeur qui s'écoule le long d'un substrat froid et qui se solidifie. Et finalement, pourquoi pas combiner ces deux thématiques pour étudier la solidification d'un film ruisselant au dévers d'une grotte, comme c'est le cas sur cette photo en Sibérie. Et on voit que le film semble se solidifier au contact de la paroi froide et se déstabiliser par gravité, ce qui entraîne la formation de ces structures géophysiques qui offrent un problème, je pense, assez riche. Et avec ça, je vous remercie de votre attention.